belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat. C'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. Chers amis de l'éthanologie, bonjour, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce 7e épisode de nos cours d'œnologie live. Et aujourd'hui, nous abordons l'Alsace. Alors, 7e épisode, mais 4e week-end, vu qu'avec notre système des cours le vendredi et le samedi, nous faisons 2 cours par week-end. Pour rappel, nous avons déjà fait les vins de Bordeaux, de Bourgogne, de Loire. Et donc, ce week-end, ce vendredi à 18h, nous démarrons avec les vins d'Alsace et nous continuerons l'exploration du vignoble d'Alsace dès demain 18h. Mais ça, vous savez tout ça bien sûr. Et vous pouvez retrouver les cours bien entendu précédents et les suivants, mais enfin ça c'est plus tard, sur notre chaîne YouTube. Voilà, on m'a dit qu'il fallait le faire à l'anglaise, le voilà qui est fait. Donc je continue. Et j'avance dans les transparents. Ce transparent, vous le connaissez, c'est la manière de me contacter. Remarquez qu'on a un peu amélioré le transparent. On a mis une petite icône avec une belle petite enveloppe qui symbolise le mail. J'espère que vous êtes heureux et nous aussi. Alors aujourd'hui, donc, comme je le disais, on va aborder le vignoble d'Alsace. Et vous savez que ce transparent est un des classiques de début du cours, à savoir... Que aurons-nous vu ensemble au bout de notre heure, de notre heure 20 de discussion? Eh bien, on va tout d'abord aborder la nef des fous. Alors, la nef des fous, vous allez me dire, mais de quoi s'agit-il? Eh bien, vous le verrez dans un instant, c'est un peu particulier, mais c'est assez spécifique à l'Alsace, bien entendu. Ensuite, je vous donnerai, comme la fois dernière, une certaine idée, peut-être un peu personnelle, si vous me permettez, du vignoble d'Alsace, en tout cas une clé de lecture par rapport au vin d'Alsace. Donc, je vous dirai l'une ou l'autre chose par rapport au vignoble. Je vous rappelle que je ne suis pas ici représentant des vins d'Alsace, donc je vous parle en toute franchise, en toute liberté, de ma manière de comprendre le vignoble. Ce n'est bien sûr pas la manière unique, ce n'est pas la bonne manière, c'est entre guillemets, il y a un côté un peu plus subjectif là derrière. Ensuite, nous aborderons ensemble l'histoire de ce vignoble et puis la notion de terroir qui est une notion extrêmement importante pour les vins d'Alsace. Enfin, les appellations communales et les appellations grand cru seront analysées, vous verrez de quoi il s'agit. Et nous terminerons ce cours par le Riesling, parce que c'est un des cépages rois de l'Alsace, que le vendredi, c'est vendredi, nous dégustons toujours un vin blanc, et que pour le coup, le vin que j'ai sélectionné pour la dégustation est un 100% Riesling, donc quelque part, tout tombe bien. Et petite astuce pour briller en société, c'est pour ça que je les mets entre crochets, la fameuse TVN, What is that? Eh bien, il faudra attendre encore quelques minutes et vous saurez d'ici la fin du cours de quoi il s'agit. Nous avançons dans les transparents. Tout de suite une question. Vous savez que nos cours vous permettent de gagner un de ces magnifiques livres écrits par votre auteur préféré, ce qui s'appelle L'Antiguide du vin. C'est pour le coup mon premier livre et je vous l'avais peut-être déjà dit, mais j'ai été assez ému quand mon éditrice m'a annoncé, c'était pendant le confinement, qu'elle avait relancé un tirage de cet ouvrage. Donc ça veut dire qu'il a quand même été relativement bien apprécié par le public. Et donc la question ici qui s'affiche sur votre écran, c'est où est né l'auteur de La Nef des Fous. Alors, vous ne savez peut-être pas qui est l'auteur de La Nef des Fous, donc je vais vous le dire, hein, ça permet un peu de faire monter la tension dans le jeu. Il s'agit d'un certain Sébastien Brandt. Alors, c'est un auteur qui se trouve, je dirais, entre le 15e et le 16e siècle. De mémoire, La Nef des Fous a été écrite en 1497, donc juste avant 1500, disons. Et cet auteur, il est né. Roulement de tambour, c'est bien sûr comme si on faisait le jeu des questions pour un champion. Je peux vous dire, c'est un auteur, bien sûr, alsacien, et il est né dans une ville célèbre d'Alsace, à savoir bien sûr Strasbourg. Donc Das Narrenschiff, donc le titre en allemand de La Nef des Fous, parce que Sébastien Brandt était un auteur vraiment alsacien qui était un des premiers auteurs du cru à s'affranchir de la langue intellectuelle, donc du latin, et à écrire dans la langue populaire, dans la langue du vulgaire, qui à l'époque, l'Alsace était membre du Saint-Empire romain germanique, était donc bien sûr l'allemand. Et donc il écrit, si vous voulez, dans cet ouvrage, c'était bien sûr un protestant, l'ouvrage
ouvrage a été publié à Bâle, et donc il met en scène un bateau, un esquif, une nef, si vous voulez. Il met en scène un bateau qui est composé de fous, en fait. Et les fous, c'est pour lui les personnes qu'il critique. Ce sont les personnes qui, des typologies, des types de personnes, des types de caractères qu'il estime peu recommandables. Et ce bateau de fous, eh bien, il vogue vers un paradis artificiel dont j'ai oublié le nom. Et lui, si vous voulez, il passe en revue dans son ouvrage et il décrit ces différents fous. Alors, ce qui a fait beaucoup pour le succès de l'ouvrage, ça a été aussi les xylogravures plutôt, qui étaient de Albrecht Dürer, bien entendu, comme vous pouvez l'avoir ici. Alors, il y a, bien sûr, que ça nous intéresse, un chapitre dans la nef des fous qui s'intitule « Des gloutons et des ivrognes ». Je n'avais pas repris le chapitre dans son intégralité. Ils ne sont pas très très longs. Hein. L'ouvrage fait quelques dizaines de pages. Ce n'est pas un ouvrage extrêmement long, mais presque dans l'intégralité. Et donc, si vous me permettez, je vais vous lire le chapitre où il parle des gloutons et des ivrognes. Rappelez-vous, c'est un protestant qui parle, donc il risque de ne pas extrêmement apprécier le fait qu'on abuse un peu de la dive bouteille, hein, qui ne l'appelait pas d'ailleurs dive pour lui. Alors, ces chaussées, les souliers d'un fou, nous dit Sébastien Brann, que de passer ses journées et ses nuits à se remplir la panse et le ventre et se transformer ainsi en une outre, à croire que nous sommes nés pour gâcher quotidiennement plus de vin que le gel. Celui qui fait cela a sa place dans la nef des fous, car il détruit sa raison et son bon sens. Il s'en apercevra quand il sera vieux et que ses mains se mettront à trembler et sa tête à balloter. Il abrège sa vie et appelle sa fin. Le vin est pernicieux, et là c'est vraiment le fond de sa pensée. Celui qui cherche son plaisir perd la sagesse. Un homme ivre ne respecte personne. Il perd tout sens de la mesure et tout discernement. L'ivresse mène à la luxure et bien d'autres maux en naissent. Sage celui qui sait boire modérément. Le fou ingurgite de grosses quantités, le sage boit avec modération. Il s'en porte bien mieux que s'il vidait des seaux. Le vin se boit agréablement, mais il mord comme un serpent et répand son venin dans le sang, tout comme une vipère. Bon, on a compris, hein. On a compris que ce qui intéressait ou que ce qui inquiétait plus Sébastien Brann, c'était en fait les effets du vin et donc l'effet de l'excès du vin. Donc c'était bien sûr l'effet où on faisait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, qui nous amène dans des réalisations qu'on n'aurait pas faites en restant sobre. C'est bien sûr pour lui là le cœur du problème en tant que protestant et en tant que, si vous voulez, critique aussi d'une partie de ses contemporains, bien plus que les petits passages sur les méfaits prétendus, réels ou supposés du vin en termes médicaux. Il faut bien rappeler qu'à l'époque, comme vous le savez, boire du vin n'était pas une si mauvaise opération parce que l'eau des puits et l'eau qui était disponible pour les villageois n'était souvent pas une eau extrêmement, extrêmement pure, c'était une eau souillée, alors que le vin grasse et à son acidité et bien sûr à l'éthanol, était un produit qui était plutôt plus propre, plus pur, qui était pur d'un point de vue bactériologique. Et donc, quelque part, si vous nourrissiez, enfin, si vous buviez du vin, qui était bien sûr un vin qui ne titrait pas comme aujourd'hui à 13 degrés, c'était plutôt des vins qui titraient entre 5 et 6 ou 7 degrés, ben, si vous buviez du vin, vous étiez plus certain d'absorber un liquide meilleur, quelque part, pour votre santé que de l'eau d'un puits qui éventuellement était souillé. Voici pour la conclusion de cette affaire. Mais continuons et avançons. Ce transparent est un classique de nos cours. Vous savez, on reprend l'ensemble des situations de vignobles. Vous voyez donc ici Strasbourg qui est, à l'extrême nord hein, du vignoble alsacien, disons, entre guillemets, plutôt dans la partie septentrionale du vignoble. Vous voyez que la latitude, elle est de 48,5 degrés, donc c'est un tout petit peu plus bas que Paris, c'est quand même 2,5 degrés plus bas, bien entendu, que Bruxelles. Et la température n'est pas extrêmement chaude, c'est 10 degrés, mais par contre, vous voyez qu'il y a un tout petit peu d'heures d'ensoleillement de plus que ce que nous avons à Bruxelles, donc c'est déjà quand même un peu mieux, mais surtout, et ça, nous aurons l'occasion
l'occasion de le voir demain ensemble, les précipitations en millimètres sont extrêmement modérées. On verra que la configuration vraiment topographique, si vous voulez, du terrain, et notamment la fameuse ligne bleue des Vosges, va permettre à la plaine d'Alsace, à ce vignoble, d'être relativement bien protégé des intempéries. Et donc, il se fait que vous pouvez regarder ce transparent, le vignoble d'Alsace s'enorgueillit d'être le vignoble le plus sec de France. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et donc, ça permet, bien entendu, à la vigne d'être dans une situation extrêmement favorable, vu que vous savez que la vigne n'est pas une plante qui apprécie profusion d'eau. Elle est plutôt à son aise avec des précipitations extrêmement limitées. Et donc, on aura plutôt là, un élément extrêmement donc, qualitatif par rapport à la culture de la vigne, qui est cet élément d'un vignoble sec. Donc, malgré le fait que les températures soient à peu près les mêmes que ce que nous avons à Bruxelles, mais il pleut quand même beaucoup moins, comme vous pouvez le voir sur le transparent. Voilà un peu posé le cadre. Alors, ce transparent aussi, hein, vous le connaissez, bien sûr, il évolue en fonction des vignobles que nous abordons. Ici, nous sommes dans la partie, je dirais, la plus à l'est, entre guillemets, de la France. Hein, donc, les départements du Haut-Rhin en bas et du Bas-Rhin en haut. Et comme vous le voyez sur la petite image qui se trouve en quart image, on est vraiment dans un vignoble septentrional. Alors, on est encore plus septentrional que le vignoble de la Loire, que nous avons pu analyser la fois dernière. On est presque aussi septentrional, ou à peu près aussi septentrional que le vignoble de Champagne. Le vignoble de Champagne que nous verrons non pas le week-end prochain, mais dans deux week-ends. Et en Champagne, quand on a un vignoble septentrional, on va utiliser la belle acidité, parce que ça, maintenant, vous le savez, que l'acidité est un marqueur, une caractéristique des vignobles septentrionaux. On va utiliser l'acidité et grâce au processus de champagnisation, on va quelque part retourner un peu comme au judo, si vous voulez, la force de l'adversaire. On va retourner le désavantage de l'acidité en un avantage, en plutôt un atout. Et le vignoble d'Alsace peut champagniser une partie de ses vins, c'est ce qu'on appelle les crémants à l'Alsace. Donc ça, entre guillemets, il n'y a pas de souci. Mais sinon, pour les vins tranquilles, les vins qui ne sont pas champagnisés et qui ne sont pas effervescents, si vous voulez, comment est-ce qu'ils travaillent ? Eh bien, il n'est pas rare, ce n'est pas le cas de tous les vignerons, mais il n'est pas rare que le vigneron va laisser un tout petit peu de sucre résiduel dans le vin. Alors bien sûr, ce ne sont pas des quantités de sucre qui vont faire que quand vous dégustez le vin, vous avez l'impression d'avoir un vin sucré, ce n'est pas du tout ça le point, mais il va laisser peut-être 2, 3, 4, 5, 6 grammes de sucre, juste assez pour un tout petit peu gommer l'aspérité d'une acidité un peu trop marquée. Donc voilà, ça c'est une arme, si vous voulez, une cartouche qu'a le vigneron pour essayer d'un tout petit peu récupérer cette acidité qui est extrêmement présente. Alors je vous avoue que moi je ne suis pas le plus grand fan de cette technique. Donc je préfère, si vous voulez, qu'un vin ait virtuellement pas, si vous voulez, de sucre résiduel et que simplement on puisse le déguster tel qu'il est. Et le Riesling que j'ai sélectionné, je vous en parlerai à la fin, bien sûr, de la leçon, est ce qu'on appelle un vin extrêmement droit et tranchant. Et donc ça signifie que c'est un vin qui a, bien sûr, peu ou pas de sucre résiduel, mais par contre, vous devez accepter d'avoir une petite acidité assez marquée, voire certains pourraient l'appeler un peu agressive. Donc voilà, moi je trouve que le vignoble d'Alsace est un vignoble qui est encore plus que d'autres vignobles septentrionaux, vraiment marqués par l'acidité. Vous savez que l'acidité, c'est la colonne vertébrale des vins, et notamment et principalement des vins blancs. Et c'est un vignoble qui va donc devoir gérer cette acidité en fonction des vignerons, en fonction des situations et bien sûr en fonction de leur clientèle. Ça, bien, tout cet écosystème doit tourner, entre guillemets, d'une manière cohérente.
Voilà, nous sommes ici à Colmar. Ça, vous avez déjà été, donc ville qui se trouve vraiment au plein cœur du vignoble alsacien. La petite Venise, la petite Venise, ses maisons en colombage, ses canaux, ses touristes casse-pieds. Bon, bien sûr, moi aussi, quand j'y vais, je suis touriste, donc je fais partie des casse-pieds. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, quand on voit les autres touristes, on trouve que les autres sont casse-pieds, c'est toujours la même chose. Mais voilà, c'est vraiment une ville magnifique. Si vous avez l'occasion de passer et de faire une halte dans le vignoble, eh bien, Colmar est vraiment un point central pour après rayonner dans le vignoble. Vous êtes vraiment au cœur du vignoble alsacien. Vous avez ici, j'ai posé quelques petites images, quelques transparents de cette ville. Bon, ici, c'est la vieille ville de Colmar. Il y a quand même un effet waouh, quoi. Je veux dire, chaque fois que je vais à Colmar et que je me balade dans la vieille ville, je dis bon, ok, ils savent un peu y faire, quoi. Bien entendu, c'est un peu stylé, comme on dit, voilà. Donc ici. Ce transparent, par contre, ce n'est plus Colmar, bien entendu. Et vous vous dites, ouais, mais pourquoi est-ce qu'il nous met cette belle et grande photo? Bien, il nous met cette belle et grande photo pour vous faire sentir quelque chose que l'on verra tout à l'heure au fur et à mesure d'une discussion, qui est en fait le relief et la topographie. En fait, sur ce transparent, vous voyez assez bien, quelque part, vous voyez assez bien les changements de relief, les changements topographiques. Et le vignoble alsacien a cette particularité, c'est que les parcelles de vignes sont sur des substrats géologiques extrêmement particuliers. Et parfois, vous vous déplacez de 20 mètres, le vigneron vous dira que là, il y a une crête qu'en fait, vous n'aviez pas vue, et vous passez sur un autre substrat géologique. Et donc, c'est un vignoble qui est vraiment construit sur une adéquation entre le matériel végétal, comme on le disait, le substrat, la parcelle au sens géologique et géographique, et bien sûr le travail du vigneron. Et donc ici, je trouve qu'on le voit assez bien. C'est un vignoble qui a énormément de particularités, ce qui ne le rend pas intelligible facilement. Alors après, il a d'autres caractéristiques qui le rendent très intelligible, notamment le fait que les cépages, il n'y en a pas 15 000, le fait que le système d'appellation est assez bien fichu, donc il est compréhensible sans avoir fait un bac plus 19 en appellation de France, si vous voulez. Mais sinon, quand vous rentrez dans le détail des parcelles, de où se trouve et tel vin, eh bien ça, c'est très très compliqué. Et je pense que ça vous permet de comprendre deux choses. Ça vous permet de comprendre pourquoi dans beaucoup de vins d'Alsace, même dans l'appellation Alsace tout court, vous avez toujours un nom qui apparaît, souvent bien sûr de consonance germanique, qui apparaît parce que le vigneron va faire référence à une parcelle, va faire référence à une localisation. Et ça vous permet aussi de comprendre pourquoi l'Alsace, peut-être plus qu'un autre vignoble, ou autant par exemple que la Bourgogne, est vraiment un vignoble qui nécessite, si jamais vous voulez l'appréhender, le fait que vous alliez quelquefois le visiter. Si vous devez éventuellement choisir l'un ou l'autre vignoble que vous aimeriez visiter, le vignoble d'Alsace est particulièrement adapté parce que il faut avoir été discuter avec des vignerons qui vous expliquent là cette petite craie, comme je vous le disais, que vous n'aviez pas vue, et vous avez là un cépage, là un autre cépage, et là une sensibilité gustative qui n'apparaît pas sur ce vin-là, mais que il faut vraiment l'avoir vu de l'intérieur, si vous voulez, avec bien sûr quelqu'un qui fait le vin, qui puisse un peu vous guider. Donc ça nécessite peut-être de s'y rendre. Alors si vous êtes, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui, vu qu'on est en live, c'est un peu varié, si vous voulez, mais bon, il y en a parmi nous qui sont belges, qui sont en Belgique. Bien sûr, on a beaucoup d'amis français aussi dans ces lives. Mais donc, si vous êtes en Belgique, aller en Alsace n'est pas extrêmement compliqué. C'est un des vignobles les plus proches, les plus proches et les plus accessibles, bien entendu. Donc voilà. Alors, ici, nous sommes à Niedermorschwihr. Alors, pourquoi j'ai mis Niedermorschwihr pour vous expliquer, ça, c'est peut-être une autre caractéristique plus personnelle du vignoble d'Alsace, c'est qu'il s'agit vraiment du vignoble qui, pour moi, est le plus compliqué, parce que je suis à peu près incapable de prononcer le nom de tous ces patelins, de tous ces villages. Donc là, vraiment, ça pour moi, c'était toujours un peu une forme de blocage. Quand je les prononce, je ne sais jamais si je les prononce bien, si je pourrais les prononcer mieux, si je les ai mal prononcés. Et bon, alors il y a de temps en temps l'un ou l'autre patelin avec un nom francophone. Alors ça, hop, je suis tout heureux. Mais sinon, forcément, les noms des villages où se trouvent les vignerons, c'est tous des noms un peu ainsi. Donc bon, voilà, ça comme ça. Si vous n'êtes pas facilité avec
avec la langue du Saint-Empire romain germanique, là, il faut là vous y faire par rapport au vignoble, ça c'est certain. Question, toujours pour gagner un livre. Quelle est la latitude de Colmar? Attention, tout à l'heure, je vous ai montré la latitude de Strasbourg au demi-degré près. Attention, au demi-degré près, roulement de tambour, les amis. La latitude de Colmar, c'est 48 degrés nord. Je vous rappelle, Bruxelles, c'était 51 degrés nord. Donc voilà, 48 degrés nord, la latitude de Colmar. Et c'était donc la fameuse petite Venise. Et donc ici, maintenant, on peut un peu rentrer dans le détail d'où nous nous trouvons. Le vignoble d'Alsace est un vignoble tout en longueur. 120 km. La route des vins fait 170 km parce qu'elle serpente un peu, mais si vous voulez, la longueur du vignoble, c'est 120 km. Vous voyez que la largeur du vignoble est extrêmement serrée. Ça va de 2 km, c'est 2000 mètres, c'est rien du tout, jusqu'à 15 km au grand maximum. Donc c'est un vignoble, c'est une bande de terre. C'est vraiment une bande de terre qui est orientée à peu près sud-nord. Bon, pas exactement sud-nord, mais on se comprend. L'altitude va entre 170 et 550 mètres. Donc ce n'est pas un vignoble de plaine. C'est un vignoble qui est toujours un peu sur les contreforts. La superficie est une superficie extrêmement serrée. C'est 16 000 hectares. C'est la moitié du vignoble bourguignon, qui était lui-même un quart du vignoble bordelais. Donc c'est un huitième du vignoble bordelais. C'est un vignoble très serré, le vignoble d'Alsace. Et là, entre guillemets, tout ce petit mais costaud, comme disait le petit personnage de la chanson ou du dessin animé, oui, petit mais costaud, malgré le fait que c'est un vignoble en fait assez ramassé en termes de superficie, ce n'est pas énorme, c'est la moitié du vignoble bourguignon, comme on le disait, eh bien, c'est un vignoble qui a une renommée internationale, bien sûr, par rapport à ses vins blancs. Hein, donc, c'est le vignoble des grands vins blancs. Et ce sera la dernière question, donc elles sont arrivées un peu coup sur coup, après il n'y en aura plus, ou peut-être juste le jeu du prix, si on a le temps de le faire, ça on verra un peu. Combien de cépages principaux y a-t-il en Alsace? Alors, j'ai le livre qui apparaît, mais pour le coup, la réponse ne se trouve pas dans le livre. Pour être tout à fait honnête, si jamais vous l'avez devant vous, la réponse n'est pas dans le livre. Donc, jingle, combien de cépages principaux en Alsace? Les cépages principaux sont au nombre de 7. Il y en a 6 blancs et le pinot noir. Donc il y a le sylvaner, le pinot blanc, le riesling, le muscat, le pinot gris, le gewürztraminer et bien sûr le pinot noir. Si jamais ces cépages vous disent quelque chose, mais que vous souhaiteriez avoir une forme de cartographie des cépages, par exemple par rapport à leur acidité, on en a parlé, par rapport à la mâche, à la structure de ces cépages, là, il faudra encore quelque part, comme on dit, une nuit dormir, parce que ça viendra demain. Donc demain, je réaliserai ensemble avec vous une cartographie des cépages d'Alsace. Et donc, vous pourrez un peu mieux discerner les cépages, mais là, vous avez déjà une porte d'entrée facile dans le vignoble d'Alsace. Je me dois de vous dire une autre chose par rapport aux cépages. Le vignoble d'Alsace, c'est le seul vignoble, si mes souvenirs sont bons, avec la Savoie, à être une forme d'exception dans les appellations françaises, à savoir que c'est un vignoble où vous pouvez, ou même à la limite c'est conseillé, d'indiquer sur les appellations le nom des cépages. Donc, la porte d'entrée du cépage pour les vins d'Alsace est une porte d'entrée qui est bien sûr pertinente parce que ce sont des monocépages, mais qui est d'autant plus pertinente que le nom du cépage se trouve sur la bouteille. Ce n'est pas le cas dans les autres vignobles. Si vous avez Morgon, par exemple, qui est une appellation du Beaujolais, on appelait ça à l'époque un cru du Beaujolais, mais c'est une appellation du Beaujolais, c'est du gamay noir à jus blanc. Il n'y a pas écrit Morgon gamay, il y a écrit Morgon, et vous appartient à vous, qui est connaisseur, amateur de vin, de savoir que ce fichu Morgon, c'est du 100% gamay.
Ça c'est le miracle, si vous voulez, ou le paradoxe des appellations françaises. Elles sont... on a caché l'information des cépages. C'est comme ça. Alors, bien sûr que ça fait les heures de gloire des gens qui professent un peu l'énologie, un peu type comme moi, parce que forcément, je dis, ça nous permet d'avoir quelque chose à vous raconter, mais pas que, bien sûr. Mais je dis, voilà, hormis la blague, ça complique un peu la chose pour le consommateur. Ça, c'est mon humble avis, bien entendu. Par contre, le vignoble d'Alsace, comme le vignoble de Savoie, eh bien, lui a pu faire du cépage un marqueur, si vous voulez. Et donc, vous trouvez sur la bouteille, qu'on le verra tout à l'heure, sur la bouteille que nous allons déguster, eh bien, c'est Alsace, mais Riesling, donc le mot Riesling est bien mis en évidence. Donc, la porte d'entrée du cépage est une porte d'entrée, si vous voulez, doublement pertinente. Elle est pertinente parce que oui, ce sont des vins monocépages, mais ça, il y a d'autres vignobles qui ont des vins monocépages, mais elle est pertinente parce que non seulement ce sont des vins monocépages, mais en plus, le cépage est indiqué sur l'étiquette. Donc, ça, vraiment, c'est magnifique. Alors, nous continuons à avancer tel dans la progression infinie. Ah, voilà, ça, moi, j'aime beaucoup ce transparent. Alors, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas moi qui... je l'ai un peu retravaillé parce que j'aime bien retravailler. Je suis un peu maniaque, ça, comme ça, vous saurez tout de mes problèmes psychopathologiques. Mais c'est un transparent qui m'a été donné par l'interprofession du CIVA, donc le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace. Alors, vous avez une ligne du temps sur le transparent qui commence à peu près au Moyen-Âge et qui termine maintenant, si vous voulez. Alors, bien sûr, je vous passe les détails. Hein, donc, 160 de qualité, cultive la vigne aux alentours de l'an 1000, en 1400-430 villages. Et puis, aux alentours de 1600, la viticulture d'Alsace est une viticulture extrêmement importante en Europe. Et puis, bardaf, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre de 30 ans, et donc là, le vignoble se ramasse la guerre sur la tête, et ça, c'était vraiment un coup très, très dur pour la viticulture alsacienne. Puis après, il y a bien sûr, après la défaite de Sedan, l'annexion du territoire, mais je ne pense pas que, mais en tout cas l'annexion de l'Alsace par la Prusse à l'époque. Et l'appellation d'origine protégée, contrôlée Alsace n'apparaît en vérité qu'en 1962. Alors que vous savez que les appellations en France sont créées dans l'entre-deux-guerres, pour favoriser justement, pour remettre un peu le vin en confiance avec les consommateurs. Il y avait une perte de confiance entre les consommateurs et le milieu du vin. Donc les appellations ont été mises en place pour retisser ce lien de confiance en 1935 ou 1936. L'appellation d'Alsace n'arrive que près de 30 ans après. Donc c'est finalement assez tard qu'on voit apparaître l'appellation Alsace. En 1972, donc assez récent si vous voulez, la mise en bouteille est obligatoire, bien entendu. Mise en bouteille dans une bouteille spécifique, ça on le verra demain. En 1975, il y a le premier terroir qui est classé en grand cru. Et en 1976, il y a une astuce qui va en fait permettre, si vous voulez, l'essor du crément d'Alsace. À savoir que jusqu'à l'époque, on pouvait exporter des raisins, notamment d'Alsace, mais de Bourgogne aussi, notamment en Allemagne pour fabriquer du sect, donc du vin mousseux allemand. Or, à ce moment-là, à cette date, je ne sais plus si c'est 75 ou 76, mais en tout cas à cette date, cette option n'est plus permise. Et donc, c'est pas par hasard, si vous voulez, que c'est justement en 75 ou 76 que sont créées les appellations crémant d'Alsace et crémant de Bourgogne. Crémant d'Alsace ici, qui a une partie relativement importante de la production, comme on le verra tout à l'heure. Et puis en 2011, il y a reconnaissance des lieux dits des appellations communales, on en parlera dans un instant, et des 51 appellations Alsace Grand Cru, vu que chaque Grand Cru d'Alsace est une appellation en tant que telle. Voilà, donc vous voyez que cette histoire du vignoble d'Alsace, c'est une histoire, si vous voulez, bien sûr, très très longue, mais qui continue à bouger récemment, hein, avec les dernières astuces qui sont apparues en 2011. Notion de terroir, je vous l'avais promise dans le premier transparent que nous avions abordé ensemble, la notion de terroir est essentielle. Alors l'idée de terroir, c'est vraiment une affaire, si vous voulez, triangulaire entre une parcelle, un terrain, si vous voulez, d'où vient d'ailleurs le nom, un terroir fait référence quand même à un lopin de terre, si vous voulez, bien sûr
un matériel végétal adapté et bien sûr le facteur humain. Et dans la parcelle, on met le côté climatique, bien entendu. Donc, c'est une parcelle spécifique avec, bien sûr, son climat au sens climatologique. Et donc, c'est comme le transparent est assez clair sur ce que recouvre la notion de terroir. C'est cette articulation extrêmement complexe entre la parcelle, le matériel végétal, bien sûr, le climat au-dessus de la parcelle, si vous voulez, mais donc la parcelle globale avec son substrat géologique, le côté climatique, et le facteur humain. Donc, et le facteur humain, c'est pour ça qu'il y a le petit bonhomme là avec les mains ici sur le transparent, pour vous indiquer que c'est ça qui fait un peu la magie des vins de terroir. Je dirais, aujourd'hui, la notion de terroir est une notion qui est revendiquée par à peu près tous les vignobles. Je ne connais pas un vignoble de qualité, bien sûr. Hein. Je ne connais pas un vignoble de qualité qui dit « Oh non, moi, monsieur, on n'est pas un vignoble terroir, nous, on est un vignoble technologique, on fait tout à la machine et c'est les œnologues qui mettent des éprouvettes dans les cuves pour faire du vin. » Non, ça n'existe pas, bien sûr. Ça serait le vignoble Tricatel, hein, si vous voulez. Donc non, tous les vignobles se revendiquent du terroir. Mais il y a des régions qui sont, je ne vais pas dire plus terroir que d'autres, mais qui ont quelque part, de par la configuration de la région, un côté historique qui est vraiment encore plus terroir, si vous voulez, où le terroir est inscrit au sein du vignoble et une partie, et le vignoble alsacien, comme bien sûr le vignoble bourguignon, en font partie. Donc voilà, j'ai pu peut-être un peu plus explorer la notion de terroir qu'on avait déjà un peu abordée de biais lors de la discussion sur les vins de Bourgogne. Permettez-moi de vous dire une chose, je dois vous le dire absolument, sinon je me fais enguirlander, mais rappelez-vous que si vous voulez nous faire plaisir, pas qu'à moi, mais faire plaisir aussi à Adrien Garé qui gère toute la chaîne YouTube, à Christine Ali qui gère toute la communication, sans elle on ferait nos lives à quatre, et bien sûr Félix Francotte qui gère toute la technique, et ça je peux vous assurer que c'est compliqué parce qu'il n'arrête pas, il n'a plus de cheveux d'ailleurs, presque comme moi, et bien si vous voulez nous faire plaisir, mettez un petit pouce, un petit like, s'il vous plaît. Ça, quelque part, vous, ça ne vous coûte rien. Et nous, ça nous fait vraiment, vraiment super plaisir parce que ça nous motive. Et hop, et alors, le soir, on est content et on boit un verre à votre santé. Voilà. Comme, appel au like. Voilà, comme ça, c'est fait. Je devais vous parler, hein, je vous l'avais annoncé au début du coup, je dois vous parler du fait que le terroir d'Alsace est un terroir d'une très très grande complexité. Alors regardez, parce que je dois regarder le transparent, je ne le connais pas par cœur. On nous dit que la plupart des communes viticoles sont établies sur 4 ou 5 formations géologiques différentes. Toutes les formations du primaire au quaternaire, donc en passant par le secondaire et puis par le tertiaire, coexistent. Ne me demandez pas les noms, je ne les connais pas, je ne les ai jamais retenus. Voilà, je ne suis pas géologue. Mais vous voyez à quel point c'est un vignoble complexe. Je vous le disais, vous allez discuter avec un vigneron. Si vous avez la chance que ce vigneron soit vous emmène dans les vignes, soit vous montre une carte de son parcellaire, eh bien, il va devenir absolument intarissable. Vous êtes parti pour 4 heures, mais c'est le plaisir de la rencontre. Et vous allez voir qu'il va vous dire, oh, mais attention, regardez, là, vous avez un petit changement de parcelle de terroir. Voilà, c'est extrêmement complexe. Vous avez 13 familles géologiques différentes. Et je pense que les images qui sont projetées ici valent entre guillemets mieux qu'un grand et un long discours. Mais je vous le disais, si vous voulez vraiment percevoir le vignoble, n'hésitez pas, que ce soit en y allant en vacances ou simplement en vous arrêtant, entre guillemets, quand vous faites une halte sur un chemin des vacances, le jour où on pourra repartir en vacances, espérons que ça ne dure pas trop longtemps, cette histoire de confinement, mais vous pourrez à ce moment-là, vous faire plaisir en visitant les vignerons alsaciens. Mais je vois du coin de l'œil sur mon petit prompteur qu'il y a des questions qui arrivent, donc je vais bien sûr les prendre. Alors, Enrico Amin nous dit « Bonjour Fabrizio, qu'est-ce qui fait que les vins d'avant titraient à 6 ou 7% et qu'on est maintenant entre 12 et 16% ?» Eh bien, c'est une excellente question, Enrico, merci beaucoup de l'avoir posée. En vérité, si vous essayez, je ne dirais pas, peut-être pas dans un environnement urbain, mais imaginez que vous faites pousser de la vigne. Mon grand-père faisait pousser de la vigne, faisait du vin. Et si vous faites pousser de la vigne et que vous faites du vin sans aide technologique, si vous voulez, donc par exemple sans acheter de levure en laboratoire et donc simplement vous pressez le raisin et puis vous le laissez fermenter, eh bien, je dis, ce sera très compliqué
sans connaissance de ce qui se passe. Or, jusqu'aux travaux de Pasteur, donc jusqu'en fait la deuxième partie du 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle, on ne savait pas exactement ce qui se passait, vu que les levures n'ont été découvertes que par Pasteur dans la deuxième partie du 19e siècle. Eh bien, ça va être compliqué, simplement par essai-erreur, d'une manière entre guillemets expérimentale, heuristique si vous voulez, ça va être compliqué d'arriver à un vin qui titre qu'à 12 ou 13%. Donc c'est bien sûr quelque chose qu'il est extrêmement facile de faire grâce à la technologie moderne. Mais avant, quand vous faisiez du vin en regardant un peu simplement ce que les anciens faisaient, et par la magie de la nature, eh bien c'est compliqué d'arriver à des titrages plus élevés. Donc, bien sûr, on n'était pas et on n'avait pas de mesure du taux d'éthanol. Mais donc, c'est ça qui nous permet de dire que c'était sans doute des vins qui ne titraient pas énormément. Quoi. Voilà. Et j'ai encore une question de Anne Billa. Le Gewürztraminer n'est-il pas originaire du Sud-Tirol ? Oui, alors le Gewürztraminer a une origine sud-tyrolienne. Alors je ne sais jamais si cette origine elle est autrichienne ou italienne, parce que le Sud-Tirol, bon, il y a le nord de l'Italie, le sud de l'Autriche. Mais donc il y a une origine. C'est un cépage qui est vraiment un cépage qui est à la fête en Alsace. Moi, j'appelle le litchi. Le Gewürztraminer, parce que je trouve qu'il a souvent cette note un peu litchi qui apparaît, qui est une note extrêmement exubérante, extrêmement plaisante, et qui bien sûr est cultivée dans des climats plus septentrionaux, hein, vous l'avez compris, le nord de l'Italie, le sud de l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse aussi, mais je pense qu'il a fait des très belles choses en Alsace. C'est aussi un côté un peu floral, un peu rose, un peu violette, enfin c'est qui est extrêmement exubérant d'un point de vue olfactif. Mais alors, je pense que vous avez raison pour revenir à la question précise sur l'origine. Mais là encore, je vous avoue que sur les cépages, ma mémoire fait un peu défaut. Donc, si vous le souhaitez, je le vérifierai dans une opélographie et vous m'envoyez un petit message et je pourrai le vérifier. Donc, je ne peux pas le dire à 100% là comme ça, face caméra, en live. Je préférerais le vérifier plutôt que de simplement dire oui, et puis je vous raconte une bêtise. Quoi, voilà. Et j'ai Angie Ceccarini. Ah, bonjour Angie, qui m'a envoyé plein de messages pour me motiver. Donc Angie, ça fait plaisir de vous avoir. Vous allez bien, j'espère. Alors bonjour Fab, point d'exclamation. Pourrais-tu nous expliquer la différence entre l'Edelzwicker et le gentil ? Alors l'Edelzwicker et le gentil, ça Angie, c'est extrêmement compliqué. Ce sont des mélanges. Le Edelzwicker et le gentil, ce sont des mélanges historiques fait par les vignerons qui ont maintenant un nom. Alors, il me semble que l'un est plus pour les vins blancs et l'autre plus pour les vins rouges, mais ça, je dois vous le vérifier. Mais donc, ce sont en fait des mélanges de cépages, un peu des vins qui étaient plutôt des vins un peu de tout venant et qui sont après passés dans la tradition. Et donc, certains vignerons mettent un peu sur le marché, soit de Edelzwicker, soit du gentil. Et donc, qui sont des mélanges de cépages. Donc, avec un côté pas, enfin, historique, si vous voulez, hein, je veux dire, avec un côté un peu vin de tous les jours, si vous voulez. Voilà, ce sont deux particularités. Mais là, Angie, vous arrivez sur une question extrêmement pointue. Hein, mais voilà. Mais si vous voulez, je peux vous revérifier la différence, mais il me semble bien que l'un est plutôt pour le vin blanc et que l'eau pouvait aussi mélanger des cépages rouges. Mais si vous voulez, on est dans la même idée. Hein, on est dans la même idée. Les différences sont très ténues. Ça, vous avez tout à fait raison. Et j'ai Jacques Moriot qui nous pose une question. Il existe une exception de vin de co-cépage Marcel Dyce. Oui, alors, tout à fait. Donc, il y a ce vigneron, Jacques, ce vigneron fait ce qu'on appelle du complantage ou des cépages mélangés. Et je ne vais pas, ce n'est pas une volonté de ne pas répondre à votre question, mais en fait, nous dégusterons demain un pinot noir, enfin,
un mélange de pinot à majorité de pinot noir, justement de Marcel Dyce. Donc j'aurai l'occasion, si vous le souhaitez, demain d'être un peu plus long et un peu plus élaboré sur la particularité du domaine Dyce avec cette idée de complantage. Donc, voilà, l'idée était de vous montrer aussi cette particularité du vignoble alsacien. C'est aussi un domaine que j'aime beaucoup, hein, que je suis même plutôt fan. Et donc voilà, aujourd'hui on est sur quelque chose de plus traditionnel, plus classique, encore que vous le verrez, et demain effectivement. On va aller sur le domaine exactement que vous citez, donc j'aurai l'occasion de parler de cette particularité demain. Et puis j'ai. Attendez, je dois repérer où j'étais sur les. Ah voilà. Olivier Carlier, que pensez-vous des vendanges tardives? Excusez-moi, je deviens fou. Et j'avais lu, que pensez-vous des vidanges tardives? Les vidanges tardives, je sais que c'est pas ça. Non, les vendanges tardives. Non, alors les vendanges tardives et les sélections de grains nobles, eh bien, ce sont en fait des raisins surmûris. Si vous voulez, et qui sont aussi attaqués par le botrytis cinerea, donc la fameuse pourriture noble. Alors, vendange tardive, c'est un peu moins pourri que sélection de grains nobles, c'est un peu plus pourri. Ce sont des très très beaux vins, ce sont des très très beaux vins et qui conservent une très très belle acidité. Si vous voulez, en France, hein, mon triptyque de vins liquoreux, mais qui conserve une très très belle acidité. Je trouve qu'on a bien sûr les crus classés de Sauternes qui conservent cela. Moi, j'aime beaucoup le Jurançon, le fameux vin préféré de Colette dans le sud-ouest, et les sélections de grains nobles, pardon, ou les vendanges tardives en Alsace. Voilà, donc vous êtes vraiment dans ce qu'on peut faire de mieux en termes de vin liquoreux en France, hein, clairement. Et j'ai Kevin Baptiste et quid des vins de glace. Oui, alors les ice wine, je ne suis pas certain. Enfin, ce n'est pas une appellation. Autant vendange tardive et sélection de grains nobles, c'est vraiment une appellation en Alsace. Les vins de glace, là, ce sont des vins qui sont récoltés assez tard. Donc, si vous voulez, qui sont récoltés quand le gel commence à faire son effet. Et là, c'est plus ce qu'on appelle un procédé de cryo-extraction, donc d'extraction par le froid, vu que lorsque l'eau gel, elle augmente de volume et donc en fait vous récupérez avec de l'eau, avec des raisins gelés, en fait avec de l'eau quelque part qui est un peu chassée, si vous voulez, de la baie. Donc vous avez diminué le volume tout en ayant quelque part la même quantité de sucre et donc le taux de sucre en fait augmente. Voilà. Et j'ai encore une dernière question de Maria Giovanna Basile. Le concept de terroir peut-il être assimilé à celui de patrimoine culturel? Oui, clairement, je pense, hein. Donc si vous voulez, les bourguignons, qui sont vraiment les plus à la pointe, si vous voulez, du terroir, ont classé les climats et vignobles de Bourgogne au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais Maria Giovanna, vous avez à 100% raison. Le concept de terroir, quand c'est un concept qui n'a pas été réinventé au XXIe siècle, parce que je vous le disais, aujourd'hui, je connais aucun vignoble qui dit nous ne sommes pas un vin de terroir. Mais ce n'est pas la même chose, si vous voulez, d'être un vin d'appellation. Okay? On peut être un vin d'appellation sans avoir la caractéristique terroir. Moi, il ne me semble pas que c'est une insulte de dire on peut être un très très bon vin d'appellation et être vendu très très cher. Et par ailleurs, ne pas être dans une logique extrémiste de terroir, si vous voulez. Mais les vignobles, appelons-le comme ça, les vignobles extrémistes en termes de terroir, c'est clairement le vignoble alsacien et le vignoble bourguignon. Et comme vous l'avez dit, c'est du patrimoine culturel. C'est vraiment du patrimoine culturel parce que le terroir, ce n'est pas simplement la parcelle, mais c'est bien cette articulation où l'homme intervient. Et donc le patrimoine culturel est vraiment, vraiment la porte d'entrée pour le comprendre. Je pense que vous avez eu 100% raison. Alors, voilà, je pense que je n'ai plus de questions, donc j'avance. Voilà, je vous ai promis un petit transparent sur les appellations d'origine protégée. Ouais, c'est la fameuse pyramide des appellations, hein, donc on met en haut le top. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver des vins dans le bas de la pyramide qui ne sont pas bons, hein. Ça, clairement, tout à l'heure, moi, je vais déguster un vin d'Alsace, simple, hein, donc je vais déguster une des 7 bouteilles sur 10, vu que 7 bouteilles sur 10 qui sont produites par le vignoble alsacien, c'est du Alsace tout simple. Donc Alsace, appellation d'origine protégée, Alsace. 4 bouteilles sur 10
Donc 25%, c'est du que se raconte 2,5 bouteilles sur 10, c'est du crémant d'Alsace. Donc un quart des bouteilles qui sont produites dans le vignoble, c'est du crémant d'Alsace, donc des vins effervescents fabriqués avec la méthode traditionnelle. Et puis vous avez tout en haut, ce sont bien sûr les pourcentages. Si je n'ai pas été clair, excusez-moi, ce sont bien sûr des pourcentages de volume de production. Hein, donc, a priori, l'ensemble doit faire 100%, si je ne me suis pas trompé dans le transparent. Et tout en haut, vous trouvez avec les fameuses 51 appellations Alsace Grand Cru qui ne font que 4% du vignoble. Donc, quand vous avez une appellation Alsace Grand Cru, vous savez qu'en termes de volume, vous êtes en train de déguster même pas une bouteille sur 10, mais vous êtes en train de déguster moins d'une demi-bouteille sur 10, hein, donc 4%. Donc voilà, ici vous avez un peu la pyramide des appellations, et tout à l'heure, nous on va déguster bien sûr un vin qui fait partie, si vous voulez, de la base de la pyramide. Hein, donc c'est une pyramide administrative. Vous pouvez après avoir des vins qui sont des grands crus et qui sont moyens, et puis vous pouvez avoir des vins d'Alsace qui sont excellents. Alors bon, le crémant d'Alsace, il apparaît parce qu'en termes de production, c'est extrêmement important. Quand même, un quart de la production du vignoble qui passe dans des bulles, c'est pas rien, je ne peux pas ne pas en parler, mais, bien sûr, je dirais, c'est difficile à comparer, si vous voulez, en termes, voilà, le crémant, c'est le crémant, il vit sa vie de crémant, c'est difficile à comparer. Par contre, on peut comparer le haut de la pyramide avec le bas de la pyramide. Alors, en termes de vin qui ont des bulles, vous savez que d'ici 2 semaines, nous aurons un week-end spécial champagne. Ce sera le week-end du 1er mai, la fête du travail, la fête du muguet, on fera la fête, donc on sortira des vins de champagne. Donc là, j'aurai l'occasion de parler bulles et on dégustera que des bulles le vendredi et le samedi, bien entendu. Et tant que j'y suis, petite publicité, entre guillemets, si vous voulez, le week-end prochain, on va parler du Rhône, magnifique appellation. Donc le Rhône, ce sera vendredi et samedi prochain. Mais avant ça, dès demain, on continue avec l'Alsace. Alors, où nous avançons, vous connaissez ce fameux transparent qui est un de nos classiques, hein, bien sûr. Où vous avez la planche de l'empélographe, les planches de Viala Vermorel, le Riesling, qui est un cépage issu du Gouet blanc en croisement avec l'autre géniteur. C'est lui-même un croisement entre du Traminer, le fameux Traminer dont on parlait tout à l'heure par rapport au Gewürztraminer, et la vigne sauvage. Alors, une vigne sauvage qui n'a pas encore été identifié, enfin une vigne sauvage, disons, si vous voulez. Enfin, si on la connaît, mais c'est une vigne qui n'a pas de nom en tant que telle. Le Gouet, on en a déjà parlé, c'est un cépage ancestral qui est le géniteur d'un très très grand nombre de cépages dits nobles aujourd'hui. Alors, ici, les éléments sont tirés de l'empélographie de Pierre Gallet. Donc, vous voyez que le département du Haut-Rhin et le département du Bas-Rhin, avec le nombre d'hectares plantés de Riesling, totalise 99% de la production de Riesling en France. Donc, oui, clairement, on peut trouver... C'est pas impossible, vu qu'il y a comme le 1% qui reste. On peut trouver du Riesling planté dans le Languedoc à gauche ou à droite. Et donc, vous pouvez trouver une bouteille de Riesling hors Alsace. Mais à la fin de l'histoire, il n'est quand même pas fou de dire que le Riesling est représentatif de l'Alsace, si vous voulez. Ou que l'Alsace est bien représentée par le Riesling, vu que 99% de l'encépagement de Riesling en France, c'est bien sûr en Alsace. Alors, on avance sur la compréhension de ce magnifique cépage, les arômes du Riesling. Bon, fallait en sélectionner, hein, parce que la litanie des arômes du Riesling est longue. Il y a aussi des arômes floraux que je ne vous ai pas mis. Voilà, moi, j'en ai mis 3. Mais je vous dis, un côté extrêmement floral. Bien sûr, le côté agrume, ça revient très, très fort. Le côté réglisse, côté un peu épicé, si vous voulez, un peu particulier. Et puis, une particularité du Riesling, c'est ce côté pétrole. Alors bon, voilà, c'est pas très joli, c'est transparent, mais au moins, c'est pédagogique. J'espère que vous le retiendrez. Le Riesling a un côté hydrocarburé. Donc oui, ça sent un peu la pompe à essence. Entre nous, en cépage blanc d'Alsace, c'est mon préféré. Je dis, voilà, si vous me dites, vous voulez m'offrir plein de bouteilles de vin, eh bien, vous pouvez. En Alsace, ce sera du Riesling, clairement. Mais la note pétrolée n'est peut-être pas ma note préférée, hein, mais elle est tellement caractéristique que, voilà, elle devient une note du cépage. Mais bon, je vous avoue que quand je mets mon nez dans le verre et que je sens que ça sent un peu le pétrole, c'est pas... Enfin, c'est vol le pétrole, hein, comme on dit en Belgique, mais je suis pas... C'est pas la note qui m'excite le plus. Bien sûr,
toujours le petit feu à droite, nous rappelle qu'il y a les arômes variétaux et puis les arômes d'évolution par rapport au bois. Ici, je ne vais pas parler beaucoup d'arômes de bois parce que ici, en l'occurrence, ce riesling que j'ai dégusté n'a en fait que très très peu d'arômes boisés, ou enfin en tout cas pas très très peu, il n'en a pas parce que le vin n'est pas boisé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je vous avais promis une petite astuce. Vous savez qu'il y a toujours un peu la minute chimie, la minute du prof. Hein, la minute du prof, elle apparaît, la bonne vieille TDN, la triméthyldihydronaphtaléne. Alors ça, il faut le dire. Alors, pour moi, c'est plus facile de dire triméthyldihydronaphtaléne que de sortir le nom d'un vignoble, un village alsacien. Après, ça, c'est chacun avec sa facilité langagière. Mais c'est la minute chimie. Ça, c'est le nom de la molécule qui sent un peu le pétrole. Par contre, ce qui est intéressant, c'est tiré d'une recherche relativement récente, c'est de voir quelles sont les conditions qui vont favoriser l'apparition de cette molécule. Vous voyez que ce sont les grappes mûres, des rendements faibles, des vendanges tardives. Voilà. Vous voyez que c'est une bonne exposition au soleil. Et vous avez aussi cette importance stress hydrique, année chaude et sèche. Et donc là, vous comprenez pourquoi Riesling est associé à TDN, triméthyldihydronaphtaléne, si vous voulez. En termes qualitatifs. Parce que vous savez que les années chaudes et sèches sont reliées ipso facto, si vous voulez, à plutôt un bon millésime. Or, les années chaudes et sèches sont reliées pour le Riesling à l'apparition de la TDN et donc la note de pétrole. Et donc, eh bien, les œnologues, les dégustateurs n'étant pas plus idiots qu'un autre, un jour ils ont compris que quand ils avaient la note de pétrole dans le verre de Riesling, eh bien, c'était plutôt un marqueur de qualité parce que souvent, ou en général, elle était issue justement d'une belle année. Donc voilà, vous ne devez pas être effrayé si vous avez cette note. C'est plutôt une note extrêmement qualitative qui apparaît dans le Riesling. Vous avez le petit schéma de la molécule. Mais enfin, ça, je pense qu'il n'est utile pour personne. Mais enfin, il fallait que je remplisse le transparent. Il y a encore un peu de place. Donc voilà, le voilà qui apparaît. Alors, Riesling, lequel nous dégustons ? Eh bien, nous dégustons un vin de Julien Meyer. Alors, Julien Meyer est un vigneron à Nothalten. Alors, ça se trouve vraiment en plein cœur du vignoble alsacien. Riesling Grittermatte, j'espère que je le dis bien, Grittermatte 2016. Alors, Julien Meyer, c'est un vigneron de parti pris. Vous savez que j'aime bien les vignerons qui ont une idée. Et qui, quelque part, font peu de concessions. Ils font peu de concessions par rapport à leur idée, à leur volonté. Donc, lui, il va vouloir vraiment être un vigneron bio et biodynamique, voire on peut presque le qualifier de nature, si vous voulez. Mais enfin, je dis que c'est un vigneron qui est extrêmement qualitatif. Alors, hormis le côté ésotérique de la biodynamie, vous savez que la biodynamie, il y a un côté un peu ésotérique. Le rationaliste que je suis, issu de l'Université libre de Bruxelles, n'y croit pas au côté ésotérique. Mais par contre, dans le cahier des charges des vignerons qui sont certifiés Déméter et donc qui sont certifiés biodynamiciens, eh bien, ou biodivins, ils ne peuvent pas utiliser une série de produits qui sont par ailleurs permis en agriculture biologique. Donc moi, ce que j'explique toujours à mes étudiants, c'est de dire, vous avez l'agriculture traditionnelle, puis vous avez l'agriculture biologique où vous avez un resserrement des produits qui peuvent être utilisés tant à la cuverie que dans la vigne. Et puis vous avez l'agriculture biodynamique où vous avez de nouveau un resserrement des produits avec, par exemple, en termes de sulfite, encore des normes plus sévères que le bio, qui est déjà plus sévère que l'agriculture traditionnelle. Et ça, c'est pas de l'ésotérisme, si vous voulez. Ça, c'est pas de l'alchimie. Ça, c'est pas de la quintessence, comme on avait vu la fois passée. Ça, c'est de la vraie chose, parce que vous êtes obligé de suivre le cahier des charges et vous ne pouvez pas utiliser ces produits-là que, par ailleurs, le bio peut utiliser. Alors que lui avait déjà un cahier des charges plus sévère que l'agriculture traditionnelle. Donc, ça, c'est quand même relativement clair, comme, si vous voulez, comme conséquence du logo biodynamique, quand il est bien sûr vérifié par un organisme agréé. Il y en a deux principaux en France, c'est Biolivin et Déméter, sur la santé du consommateur, de ce qu'il consomme dans le verre et de ce qui se trouve dans la bouteille. Par ailleurs, mon expérience, bon ça c'est très très personnel, là je vous livre un peu ce que je pense, m'a conduit à constater qu'énormément de vins produits par des vignerons biodynamiques ou des biodynamiciens, moi je les trouve plutôt extrêmement qualitatifs. Donc voilà, moi si vous voulez,
entre les traditionnels, le bio, le biodynamique ou le nature, hein, si vous voulez, c'est un peu les options qui s'offrent à vous en termes de consommateur. Moi, mon expérience, mon plaisir me porte gustatif, hein, je dirais. Alors ça, c'est plus heuristique, vraiment. Hein, donc c'est plus une expérience, si vous voulez, de terrain, de par essai-erreur, si vous voulez, par conjecture et réfutation, comme dirait Imre Lakatos, d'une manière heuristique. Moi, à la fin de mes essais et erreurs dans ma progression du milieu du vin, je me suis conduit ou je me suis plutôt mis dans une idée où j'apprécie beaucoup les vins biodynamiques. Mais vous savez que je ne suis absolument pas grégaire ni sectaire. Et donc, si vous avez suivi les cours qu'on a eu jusqu'ici, vous savez qu'on ne déguste pas tous les soirs un vin biodynamique. On a eu des traditionnels, on a eu des bio, des biodynamiciens. Je pense qu'on a même eu un nature. Donc voilà, on essaie de déguster un peu de tout. Mais voilà, ici, Grittermatter Riesling, Julien Meyer. Bon, alors lui, il écrit nature. Hein, donc, je vous disais, hein, lui, il se met en avant comme étant même au-delà du biodynamique. Et alors ici, pour le coup, son vin titre à 12,5. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'il indique sur l'étiquette, sur la contre-étiquette, il dit qu'il n'y a pas d'ajout de sulfite. Donc si vous êtes sensible pour raison médicale ou aussi pour des raisons de santé au sulfite, que vous ne souhaitez pas avoir trop de sulfite, eh bien lui, il n'ajoute pas de sulfite. Dans le sens, il y a zéro sulfite. Alors, ajoutez. Attention, il y a bien sûr des sulfites présents dans le vin. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sulfites qui sont naturellement produits au cours du processus de fermentation. Donc si quelqu'un vous dit « j'ai un vin zéro sulfite », ça, il vous raconte un peu des limites de carabistouille. Parce qu'il y a quand même une petite partie de sulfites qui sont produits par la fermentation. Mais par contre, on peut dire zéro sulfite ajouté. Alors qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Il décrit un peu le terroir et lui, il nous dit, voilà, comme ça je vous livre un peu la description du vigneron, il nous dit « vin habité par le minéral », donc il est habité par le minéral, donc c'est un peu mystique hein, cette chose, « qui porte en lui des sels de vie ». Bon, voilà, prenons-la comme étant une description plutôt poétique et testons cette chose. Bon, ouais, on va la tester ensemble, mais c'est un vin que j'aime beaucoup. Alors, vous voyez, voilà, le fameux, il ne le bouche pas avec un bouchon liège, il le bouche avec une petite capsule, si vous voulez, en verre, si vous voulez, que vous pouvez réutiliser. Hein, moi, je les conserve pour boucher mes bouteilles, c'est assez pratique. Alors, il n'y a pas besoin, en fait, de mettre un bouchon. C'est pas des vins. Ce sont des vins qui sont il ne faut pas les boire tout de suite. Ici, c'est en 2016, on est en 2020. C'est comme un vin qui a 4 ans. Donc, c'est un vin qui peut tenir en cave. Mais c'est pas des vins qui vont, à mon sens, hein, je dis que c'est pas des vins qui vont tenir 30 ou 50 ans en cave. Donc, c'est des vins qu'on peut boire dans les 5-6 ans. Quoi. Voilà, voilà. Donc, on va tester cette affaire. Voilà, hop, je saisis mon verre. Nous servons le bon vieux Riesling. Ah, vous voyez tout de suite, hein, ici, les notes, je vous les montre. Vous les voyez ici en transparent. Je pense que je suis bien dans le champ de la caméra. C'est assez compliqué parce que maintenant, avec les iPhones chers, on a 3 points de caméra. Donc, vu qu'on m'a prêté un iPhone pour filmer cette chose. Donc, vous voyez ici que c'est une couleur extrêmement dorée. Hein, donc, voire presque avec des reflets ambrés. Alors, je le fais dans l'autre sens parce que sinon, moi, je verrai. Sinon, moi, je le vois difficilement. Donc, oui, effectivement, on est sur un jaune doré avec reflets ambrés. Donc, c'est une couleur qui part, qui donne une idée d'un vin qui a peut-être déjà un peu subi une petite pointe d'oxydation. Et effectivement, je confirme ça avec un premier examen olfactif. Il y a des petites notes oxydatives, si vous voulez, qui sont présentes dans le vin. Alors, les notes oxydatives pour un vin blanc, c'est les notes un peu de pomme, comment ça s'appelle, de pomme blette, on parle, ou de noix sèches, de cerneaux noix. Voilà, c'est des notes qui sont ces notes-là. Il faut accepter, quand vous allez travailler avec un vigneron qui ne met pas de sulfite, et qui n'a donc que les sulfites produits par la fermentation, il faut accepter que le produit est le produit, si vous voulez. Vous voyez, vous ne pouvez pas exiger d'avoir le produit standard. Donc ici, ce n'est pas un produit standard. Donc je dois vous l'avouer, si vous voulez. Et on est d'accord là-dessus. Moi, j'aime beaucoup les produits standards, et de temps en temps, j'aime bien un produit pas standard. Donc voilà, ici, et aujourd'hui et demain, d'ailleurs, dans le vignoble alsacien, on sera dans du non-standard. Voilà, on se fait plaisir avec ce type de choses. Alors, ici,
Ben voilà, on récupère les notes, hein, la réglisse, il y a bien sûr le côté floral, le côté citronné. Il y a une petite pointe d'hydrocarbures, donc voilà, c'est assez précis, je trouve, les éléments du Riesling. Il y a aussi une pointe un peu de fruits, je disais un peu pomme, un peu compote de pomme, si vous voulez. Voilà, on va tester cette chose en bouche. C'est un ben di Dio, hein, on dit en italien. Un ben di Dio, c'est béni de Dieu, quoi. Je dis, c'est d'une tension, d'une droiture, d'une vraiment. C'est extrêmement minéral. Donc en fin de bouche, c'est extrêmement minéral. Bien sûr, on retrouve aussi ici dans ce vin en particulier un côté un peu oxydatif. Mais par exemple, la rétro-olfaction, ben elle oscille entre le cerneau de noix, la pomme pourrie et le côté citronné qui vient tendre là-dessus. Et on a une charge de tanin, on a presque une charge de tanin, donc on a presque une petite charge tannique. C'est possible, hein, bien sûr, parce que sans doute que ce n'est pas uniquement une méthode oxydative, sans doute qu'il y a eu un tout petit peu de macération aussi dans la préparation du vin. Donc on est, si vous voulez, sur un vin blanc qui est un tout petit peu macéré, donc ça a un tout petit peu extrait un peu de couleur et aussi un peu de tanin. Mais un produit vraiment, vraiment magnifique, sans concession, qui nécessite de rentrer un peu dans l'idée, si vous voulez, du vigneron et d'accepter de se faire guider, quoi, d'être un peu mis en difficulté, si vous voulez, parce qu'il sort un peu du cadre des sentiers battus traditionnels, quoi. Voilà, voilà, mais je vois que j'ai des questions qui apparaissent sur le prompteur. Benoît Nissen, qu'appelle-t-on vin de pierre au niveau de terroir? Qu'en est-il des arômes? Alors Benoît, là je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est un vin de pierre, honnêtement. C'est pas vraiment quelque chose qui est codifié, ou en tout cas moi je ne connais pas la codification. Mais par contre, si on veut dire par là un vin minéral, si vous voulez, alors les arômes du vin minéral, c'est justement d'avoir en fin de bouche, hein, plutôt que quand le côté alcool se dissipe, d'avoir un peu des sels minéraux qui restent dans la bouche. Ça peut être un côté salin, bien sûr, mais ça peut être aussi comme l'impression d'avoir un peu un caillou en bouche, quoi. Donc c'est l'idée, si vous voulez, qu'on appelle de minéralité, hein, qui est bien une caractéristique gustative, mais qu'on perçoit mieux quand l'alcool est parti de la cavité buccale, que ce soit parce qu'on l'a évacué en crachant, que ce soit parce qu'on l'a avalé. Alors, lorsque l'on parle d'un pourcentage d'alcool, c'est par rapport au volume, à la masse ou encore au nombre de moles d'alcool sur le total? Ah oui, alors là, précis. Hein. Non, alors le fameux pourcentage d'alcool, c'est un pourcentage volume-volume. Donc, ce n'est pas un pourcentage de masse. Donc, si vous voulez, après avoir les grammes d'éthanol, il faut tenir compte du fait que la masse molaire de l'éthanol est un peu plus faible que la masse molaire de l'eau. Mais donc, quand vous dites 12,5, c'est en volume. Donc si vous prenez un litre, si vous avez 100 millilitres, vous avez 12,5 qui sont de l'éthanol et vous avez 81,5 qui sont de l'eau, ou 81,5 qui sont de l'eau et 1 qui est de l'extrait sec, quoi, pour le dire ainsi. Mais en tout cas, quand on vous donne le pourcentage de la bouteille, c'est un pourcentage volume sur volume. Alors, Traveller Wannabe, quels sont les plus connus cépages en Belgique, dans le vignoble belge, je voulais dire. Alors ça, c'est assez compliqué parce que le vignoble belge a une forme de dichotomie, c'est-à-dire qu'il part soit sur des cépages traditionnels septentrionaux, soit sur des cépages qu'on appelle des cépages interspécifiques. Si vous le souhaitez,
On pourrait peut-être, lorsqu'on a terminé ce petit tour de France, eh bien faire peut-être une séance sur les vins belges. Donc on verra un peu comment nous serons, comment vous serez dans quelques semaines. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Et j'ai Louis Dewa, un bon fromage à conseiller avec un vin d'Alsace. Ouh là là, écoutez, bon. On ne va pas les dire à Münster, c'est un peu, j'allais dire cucul à praline, si on peut mettre l'expression, mais je dis par là, on peut prendre. Moi, je pense que tous les fromages vont vraiment bien avec les vins d'Alsace, mais c'est certain que les fromages à croûte lavée fonctionnent bien. Donc, c'est sûr que si vous avez des Époux, si vous avez un Münster, si vous avez un. Comment ça s'appelle les fromages, des fromages à croûte lavée un peu fort sont des fromages qui s'adaptent bien au vin d'Alsace, quoi. Et j'ai Jimmy Skonians. Bonjour Fabrizio, le cépage blanc d'Alsace pouvant être conservé le plus longtemps possible est lequel exactement, Gewürztraminer? Alors, je dirais que le cépage qui est considéré celui qui peut se conserver le plus longtemps, si vous voulez, ça reste quand même le Riesling, je pense. Ça reste quand même le Riesling. Alors après, tout dépend de la quantité de sucre. Parce que ici, c'est un vigneron qui. Il n'y a pas un gramme de sucre. Donc, bon, forcément, on a un vin extrêmement acide en bouche. Moi, j'aime plutôt bien et donc je suis plutôt satisfait. Mais si vous avez du vigneron qui laisse un peu de sucre, parfois, ça peut être jusqu'à 10-12 grammes de sucre. Hein, je dis que, tout en ayant, entre guillemets, un vin sec, si vous voulez, mais c'est du sucre qui contrebalance l'acidité. Alors, vous pouvez les conserver quand même relativement. Je ne vais pas dire longtemps, mais le sucre aide à la conservation. Donc, mais sinon, à la fin de l'histoire, le cépage le plus noble, celui qui se conserve le plus longtemps, ça reste le Riesling. Anne Villa, mon fils a repéré le Bac Torval et Valais. Ah, merci! Eh bien, écoutez, je suis d'accord, Anne, avec votre fils, d'abord. Et valide le confinement. Valide votre choix. Ben, merci, merci, Anne, je valide aussi. Votre fils est un homme juste et bon. Si le confinement perdure, nous sommes amateurs d'un cours de cytologie. Eh bien, écoutez, ravi, je le ferai avec grand plaisir. Je vous ferai avec grand plaisir. Vous savez que j'ai aussi cette casquette un peu de cytologue. Donc, ce sera avec grand plaisir pour un cours de cytologie. Et ne vous inquiétez pas, nous dégusterons l'Orval. C'est ma bière préférée. Pour la petite histoire, j'ai tenu le portail bière pour la revue du vin de France et j'avais mis 20 sur 20 à l'Orval, mais on m'a retoqué, si vous voulez. On m'a dit, on ne peut pas mettre 20 sur 20, on doit mettre 19. Donc voilà, j'ai mis 19 sur 20. L'Orval, je suis intarissable. Vraiment, voilà. Traveler Wallaby, comment sont taillées les vignes d'Alsace? Ouh là là, ça vous me posez, si vous voulez, une colle, si vous voulez, en termes de taille de la vigne. Là, vous me posez, je dois le vérifier. La Traveler Wallaby, je dois vérifier la taille de la vigne. Alors, bien sûr, on est sur un vignoble plutôt septentrional, donc on va. Si vous voulez, une des méthodes, si vous voulez, pour essayer d'aider la vigne, c'est de ne pas avoir une portance de la vigne trop haute, hein, bien sûr. En général, on essaye, mais c'est pas toujours possible. On essaye de conserver une taille qui permet à la chaleur de la terre de conserver un peu de chaleur. Alors, Laurent Herzfeld, peux-tu nous reparler de la différence entre biodynamique et nature. Oui, si vous voulez, biodynamique, c'est codifié. Nature, ça l'est pas. Donc, nature, je peux vous dire quelle est l'idée de nature, mais après, vous pouvez demain faire un vin nature avec en utilisant toute la chimie possible, imaginable. Pour le dire simplement, dans les vins fabriqués de manière traditionnelle, vous avez plus de 300 produits œnologiques qui sont admis, et bien sûr les doses de sulfite, qui sont les doses de sulfite, bien sûr. Alors, avec un vin bio, vous avez moins de 100 produits qui sont permis, et vous avez des doses de sulfite réduites à peu près à un tiers. Et avec des vins biodynamiques, vous avez plus que 4 ou 5 produits, c'est aussi peu que cela, qui sont permis, tant à la vigne qu'en culture, principalement à la bouillie bordelaise, et des doses de sulfite encore réduites. L'idée du vin nature, c'est, entre guillemets, rien. Mais vu que ce n'est pas codifié, je ne suis pas derrière le vigneron et je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, voilà, ça c'est peut-être mon côté un peu plus scientifique. Bio et biodynamique,
C'est vérifié par des organismes de certification, des contrôles et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc ça coûte de l'argent en vigneron, c'est de la paperasserie, c'est de l'administration, c'est beaucoup de temps aussi. Et donc je pense que ça, c'est aussi respectable parce que c'est une garantie pour le consommateur. Le terme nature, à ce stade, n'a pas a une idée, mais ce n'est pas codifié. Donc il faut faire confiance au vigneron. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance au vigneron, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais... C'est pas, on ne peut pas les mettre sur le même pied que bio ou biodynamique. Axel VE, bonjour. Comment expliquer la grande différence de disponibilité sur le marché belge entre les vins alsaciens et allemands alors qu'ils partagent une bonne partie les mêmes cépages et latitudes? Alors, vous aurez en partie la réponse demain, hein, Axel, mais effectivement, le marché belge est un marché extrêmement porteur pour les vins d'Alsace. Le consommateur belge est fou des vins d'Alsace. Vous aurez les chiffres très précis demain. Et donc ça vous explique que les vins d'Alsace sont extrêmement présents sur le marché belge. N'oubliez pas que le marché du sud de la Belgique, hein, donc le marché, si vous voulez, Bruxelles et Wallonie, le marché francophone, est quand même tourné culturellement, historiquement, vacancièrement, si vous me permettez l'expression, il est tourné vers la France. Et donc, s'il a le choix entre vin d'Alsace ou vin allemand, ben, il prendra un vin d'Alsace, quoi. Corentin Walravens, bonjour Corentin. On trouve beaucoup de vins orange dans l'Alsace, des vins de voile aussi chez Julien Meyer par exemple. Qu'en pensez-vous, Fabrizio? Oui, alors donc on trouve effectivement, bon, ici d'ailleurs, c'est comme ça, hein, parce que, je pense qu'il y a un peu une idée de vin orange là derrière, vous voyez ce que je veux dire, c'est un vin blanc avec un minimum de macération. Alors moi j'aime beaucoup, si vous voulez, parce que ce sont les vignerons qui explorent, qui essayent des choses, donc je suis plutôt satisfait. Je trouve, à un moment donné, je suis pas fou des modes, si vous voulez. Donc moi, je suis pas un dingue des vins de voile, donc le vin élevé sous flore. Je suis pas un fou furieux des vins de macération en vin blanc. Donc un peu de macération, je trouve ça sympa. Faire du vin orange pour faire du vin orange, voilà. Moi, je reste quand même attaché à avoir un vin qui est entre mes mains, un vin, je dirais, avec une idée de vin dans le verre. Donc, je suis peut-être moins wine geek que d'autres qui, vin orange, c'est excellent, c'est la nouvelle mode. Je suis peut-être un peu plus traditionnaliste. Donc, j'aime bien avoir un vin qui reste dans une idée de vin. Mais bon, ici, je vous ai dit, le vin qu'on a dégusté ensemble a une idée de vin orange quand même. Hein, j'ai plus qu'une idée, quoi. Alors, Hervé Villechaise, qu'appelle-t-on un grand cru alsacien, mon cher Fabrice? Alors, mon cher Fabrice, c'est mon cher Fabrizio. Hein, donc, s'il vous plaît, mes parents ont mis cette dernière syllabe, donc je souhaiterais qu'elle reste dans l'orthographe de mon nom. Sinon, on ne va pas être d'accord. Alors, si vous voulez, un grand cru alsacien, c'est donc, comme en Bourgogne, c'est une parcelle. Donc une parcelle de vigne qui a été classée grand cru et qui est devenue aujourd'hui, donc depuis 2011, une appellation en tant que telle. Donc qui possède des règles d'encépagement, des règles de taille de vigne, des règles de rendement, des règles très précises. Donc le grand cru est une appellation, donc il y en a 51 en Alsace. Donc c'est pas mince, si vous voulez, surtout pour les 15 000 hectares. Mais c'est une appellation qui est au top de la pyramide. Donc c'est censé être les 51 meilleures parcelles du vignoble alsacien. Voilà, c'est un peu pour la synthétiser, si vous voulez. François de Koning, bonjour. Les parcelles d'appellation Grand Cru sont nommées selon un cahier des charges? Oui, donc tout à fait. Donc François, elles sont nommées selon un cahier des charges. C'est exactement le bon terme. Avant, on appelait ça un décret d'appellation. Maintenant, c'est effectivement un cahier des charges. Donc les parcelles, chacune des parcelles Grand Cru est une appellation en tant que telle.
Donc, vous avez 300 appellations en France, eh bien, les 51 appellations Grand Cru sont. C'est chacune appellation, donc elle a chacune a son cahier spécial des charges, vous avez 100% raison. Alors, Villechaize, l'alcool émissible dans l'eau, comment faire un rapport volume-volume efficace? Oui, ça, bon, ça, c'est bon, il y a un peu de. Bien sûr, il y a un peu d'approximation, mais bon, les titrages qui sont faits au labo permettent quand même d'avoir un titrage qui est précis. Je pense qu'il y a une tolérance au 0,5%. Donc, si vous avez 12,5, ça pourrait être 12, ça pourrait être 13. Mais bon, les méthodes modernes permettent de faire des titrages quand même précis. Alors, Jacques... j'ai sauté une question, sorry. Litom, salut Fab. Pourrais-tu nous dire combien de temps on peut conserver un Riesling en cave? c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça dépend du vigneron, ça dépend du Riesling. Donc, c'est ce qu'on disait dans une question précédente. Quid, est-ce qu'il y a du sucre, il n'y a pas de sucre ou autre? Je dirais 5 ans, oui. Au-delà, ça dépend. Donc vraiment, là, ça dépend de la bouteille, ça dépend du vigneron, de comment il a travaillé. Mais 5 ans, oui. 5 ans, oui, sûrement. Donc ça, vous pouvez le conserver. Et Jacques, qui nous pose la question, crément d'Alsace, quels sont les cépages utilisés dans l'appellation crément d'Alsace? Si mon souvenir du cahier spécial des charges est juste, mais vous voyez que mes yeux partent vers le haut de la caméra parce que je réfléchis dans ma tête, si vous voulez, je pense qu'on peut tous les utiliser, et encore les cépages qui ne sont pas dedans. On peut en tout cas utiliser de mémoire les 7 cépages que vous avez, et plus encore peut-être l'un ou l'autre, hein, sûrement. Donc le crément d'Alsace, vous pouvez en utiliser vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc si vous voulez, vous n'avez pas une garantie de cépage dans le crément d'Alsace. Ça, c'est pas le but du crément d'Alsace. Ça, c'est certain. Traveler One Ami, est-ce qu'il y a en Belgique un master d'œnologie? Non, malheureusement. En fait, on n'est pas un pays producteur de vin. Enfin, on est un pays producteur de vin, mais si vous voulez, pas un pays dont une grande partie du circuit économique dépend d'une filière vitivinicole. Et donc, il n'y a rien à faire. À un moment donné, les pouvoirs publics n'ont pas mis en place et financé, vu qu'en Belgique comme en France, les formations universitaires sont soutenues, elles sont portées à bout de bras par les pouvoirs publics, n'ont pas mis en place de formation pour faire un master d'œnologie. Donc vous avez par contre qu'en Belgique un master d'ingénieur agronome à spécialité brasseur, bien sûr, parce que là par contre l'industrie nationale, c'est quand même l'art de la fabrication d'une bonne chope, hein, si vous permettez l'expression. Mais donc les masters d'œnologie de mémoire, si c'est vraiment un master d'œnologie, le fameux, vous en avez en France dans les régions vitivinicoles. Donc de mémoire, c'est Suze-la-Rousse, c'est Montpellier, c'est Dijon, c'est Bordeaux, bien sûr, et c'est Reims, quoi. Je dis, vous en avez 5 ou 6 en France, et c'est les seuls en français, si vous voulez, accessibles plus ou moins facilement, même de la Belgique, si vous voulez. Donc voilà, il n'y a pas de master en œnologie en Belgique. Ça va peut-être évoluer, encore que il faudrait vraiment que le vignoble belge se déploie. Mais par contre, vous avez en Belgique, Traveler Wannabe, si vous le souhaitez, ce qu'on a lancé, ce que les Français appellent des BTS, donc des bacs techniques et scientifiques. Donc ça, c'est un cursus de 2 ans qui vient d'être lancé il y a 1 an et demi, 2 ans. J'ai participé à l'élaboration du cahier pédagogique, si vous voulez, et du programme des cours. Donc là, il est donné à l'IFAPME de Perouet, voilà, comme ça vous le savez. Et là, vous avez un BTS, si vous voulez, ou l'équivalent d'un BTS, Viti Euno. Donc vous apprenez tant à travailler dans les vignes qu'à fabriquer du vin. C'est une formation assez lourde. De 2 ans, et avec un BTS, vous pouvez faire du pinard et vous pouvez lancer votre exploitation. Hein. Donc si votre but, c'est de faire une exploitation, alors inscrivez-vous. Attention, parce que c'est extrêmement couru. Donc je pense que d'année en année, les inscriptions sont très très vite pleines, parce que le nombre d'étudiants est limité. Mais donc là, vous avez accès à ces types de formations. Il y en a une ou deux qui ont été lancées maintenant en Belgique et particulièrement en Wallonie, quoi. Voilà, voilà. Et Laurent Herzveld, encore une dernière question. Moi, je prends la dernière question. Est-ce que tu pourrais préciser ce qu'on dégustera la semaine prochaine en cépage? Alors, demain, c'est du Pinot Noir. Et alors, la semaine prochaine, alors le blanc, ce sera du Viognier.
Alors, c'est un peu compliqué parce que ce sera du Viognier, si vous voulez, pas du Nord, pas de Condrieu. Bon, ça sera un peu très cher, mais ce sera quand même un Viognier. Et puis, on aura un multi-encépagement, mais avec, si mes souvenirs sont bons, une base Syrah pour le rouge. Voilà. Comme ça, vous avez un peu une forme de hint, de cadeau informatif. Alors, on termine juste par le jeu du prix. Si vous voulez jouer au jeu du prix, au demi-euro près, si vous voulez gagner encore. Un magnifique livre. Voilà. Tac, 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 tac. Jeu du prix, bien sûr, acheté à Bruxelles, ce vin. Tac, tac, tac. Je jingle. Nous sommes en ligne et le jeu du prix, c'est 19,50 €. Oui, voilà. Les vins de Julien Meyer ne sont pas des vins donnés. Voilà, c'est un vigneron qui travaille extrêmement bien. Donc, on arrive sur les fourchettes un peu hautes, si vous voulez, des vins qu'on peut se payer une fois qu'on arrive à 20 € la bouteille. Voilà, on se fait plaisir. Mais enfin, bon, voilà, on est dans le confinement. Moi, j'attends ce cours avec impatience. Je passe beaucoup de temps à les préparer. Je passe énormément de. Et j'ai beaucoup d'énergie qui est donnée pendant le cours. Mais énormément de plaisir, surtout énormément de plaisir. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à passer ce moment avec vous. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas, un petit pouce levé, un petit like, nous, ça nous fait super plaisir. Puis sinon, vous nous envoyez un mail, vous remplissez le petit formulaire si vous voulez recevoir le PDF avec l'ensemble des documents du cours. Vous recevrez un PDF par week-end qui reprend les deux cours, comme ça vous n'avez pas trop de fichiers qui s'accumulent. Et je vous dis à demain pour la suite des aventures du vignoble alsacien. Salut, Kost! Ende Kost, Ende Wind, Van Achter.